Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, 7e numéro du cycle dédié aux révolutions musicales, aujourd'hui consacré aux révolutions musicales de la première moitié du XXe siècle, celle menée par Claude Debussy dans Rodry et Chimène en 1890, qui abandonnait la manière d'écrire des romantiques, rompait avec l'hégémonie wagnérienne, concevait un nouveau temps musical, accordait la primauté au timbre des instruments, troublait le système tonal, pour inventer avec son Péléas et Mélisande de 1902 une nouvelle façon de chanter le français. Révolution musicale d'Arnold Schoenberg, d'Alban Berg, d'Anton Webern, d'Edgar Varèse, d'Igor Stravinsky, de Luigi Russolo, compositeurs qui combattent le mouvement romantique, qui relativisent les systèmes d'écriture des siècles passés, qui font disparaître les repères stables, ce qui perturbe le public qui, pour la première fois dans une histoire de la musique multiséculaire, n'écoute plus la musique de son temps. Compositeurs qui consacrent ainsi le passage du siècle des romantiques vers celui d'une révolution musicale perpétuelle et d'une musique délibérément moderne, qui cherche à expérimenter de nouveaux systèmes d'écriture sans lien avec tous ceux utilisés dans le passé. Révolution musicale si nombreuse et si importante que nous lui consacrerons deux numéros, car on est saisi de vertige si l'on observe tout ce qui s'est passé depuis le début du XXe siècle, qui a produit un nombre colossal d'œuvres, de styles, de nouveaux langages pour la plupart désormais inconnus du public, les compositeurs travaillant dans l'ombre puisque nous n'en écoutons plus la musique, mais qui ont permis l'avènement d'une musique moderne, maintenant contemporaine des grands courants esthétiques qui ont marqué cette époque de révolution musicale permanente, impressionnisme, symbolisme, fauvisme, expressionnisme allemand, cubisme, dadaïsme, Bauhaus et surréalisme.
Claude Debussy, en refusant l'écriture harmonique des classiques et son utilisation traditionnelle, telle qu'enseignée alors dans les conservatoires, en cherchant à éviter de reproduire la musique de Wagner, qu'il avait tant admirée lors de son séjour à Bayreuth en 1888, mais également découvrant lors de l'exposition universelle de 1889 les sonorités inconnues du gamelan javanais ou celles des instruments venus d'Afrique, sons brouillés des xylophones, jeux de gong et des métallophones, échelles et timbres des musiques exotiques, révolutionne définitivement la manière de penser la musique en écrivant des basses mouvantes, en installant dans ses compositions une grande instabilité rythmique, une insécurité harmonique, en confiant au timbre une nouvelle fonction, en travaillant à part égale les hauteurs, les durées, les intensités, en utilisant les silences comme des agents d'expression et le seul moyen de faire valoir l'émotion d'une phrase. Les réflexions de Claude Debussy sur la lumière et les couleurs amodiées par le soleil correspondent à celles des impressionnistes qui font jouer sa musique pour piano lors de leurs expositions et le poussent à travailler sur les couleurs des instruments, les registres, les bruits expressifs comme les pizzicati ou les trémolos. Debussy rompt également avec la barre de mesure pour mieux étirer le temps et cumule les variations rythmiques et les changements de tempi. Il plaide pour des formes asymétriques comme les peintres de l'abstraction et rêve d'un orchestre éparpillé de séquences musicales brisées comme de décomposer le son en paramètres mathématiques, en détruisant l'organisation formelle, thématique et harmonique préexistante, en considérant que le son est une entité autonome, en pulvérisant le langage du passé, Debussy est le pivot qui fait basculer la musique vers un âge moderne que l'on entend dans ces nocturnes, nuages, fêtes, sirènes, qui semblent pour le public surpris par cette musique nouvelle comme un rêve en son des peintures de Whistler. Chez le Debussy révolutionnaire, il ne faut dire les choses qu'à demi pour que l'auditeur puisse greffer mon rêve sur le sien, ainsi que le chante Péléas, jeune héros de son drame lyrique en 5 actes, composé sur un livret symboliste de Maeterlinck, créé à Paris le 30 avril 1902, où Debussy a voulu que l'action ne s'arrête à jamais, la mélodie est antilyrique, elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes de la vie, je n'ai jamais consenti à ce que ma musique brusquât ou retardât par suite d'exigences techniques le mouvement des sentiments et des passions de mes personnages. Elle s'efface dès qu'il convient qu'elle leur laisse l'entière liberté de leurs gestes, de leurs cris, de leur joie ou de leur douleur. Paris révolutionnaire, tout particulièrement abouti dans la scène de la tour qui ouvre le troisième acte du Péléas et Mélisande de Claude Debussy que nous écoutons à présent. Lorsque Serge de Diaghilev arrive à Paris en 1907 avec les ballets russes,
compagnie de danse qu'il vient de fonder pour moderniser le ballet et la chorégraphie, englué dans une virtuosité sans âme, des gestes dansés stéréotypés et des costumes limités au tutu, il sait qu'associer à des artistes anticonformistes comme le chorégraphe Georges Balanchine, les danseurs Serge Fokine, Léonie Massine, Ida Rubinstein, Vaslav Nijinsky, le compositeur Igor Stravinsky, le peintre Pablo Picasso et le décorateur et costumier Léon Basque, contestataire de l'esthétique romantique, il pourra renouveler le ballet européen. Le ballet Le Pavillon d'Armide, créé en 1917, ouvre la voie du ballet moderne avec Nijinsky, qui montre sur la scène du théâtre Mariinsky des sauts d'athlètes et des arabesques inédites, une première pour un danseur habituellement réduit au rôle de porteur. En 1911, dans Petrouchka, drame en quatre tableaux qui raconte l'histoire d'une marionnette, d'un clown pitoyable et d'une ballerine, la troupe des ballets russes marque une nouvelle fois les esprits avec une chorégraphie qui ne ressemble en rien à ce que l'on voyait alors. Le 29 mai 1912, Nijinsky danse le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy et montre une danse fauve érotique note Cocteau, tandis que dans la scène finale, le corps musclé, couvert de taches brunes du danseur étoile, mimant un orgasme, consacre la rupture définitive des ballets russes avec l'académisme et donne naissance à la danse moderne. Un an plus tard, jour pour jour, le 29 mai 1913, pour l'inauguration du théâtre des Champs-Élysées, le Sacre du printemps est dansé sur une musique sauvage et brute de Stravinsky, évoquant les rituels païens de l'ancienne Russie, où l'on sacrifiait une jeune vierge sur l'autel du printemps. Au rythme mécanique de la musique, répondent les piétinements lourds, primitifs, syncopés des danseurs qui ont moulé leurs jambes dans de simples collants sans coquilles. Le scandale est immense, on se bat dans la salle, le spectacle est interrompu et Stravinsky évacué pour ne pas être lynché.
Les ballets russes ont engendré une nouvelle perception des corps dansants qui ne divertissent plus et cherchent l'unité harmonieuse de trois éléments, musique, danse et art plastique, note Michel Fokine. Et puis, il y a la modernité de la musique de Stravinsky, avec un diatonisme radical, une scansion rythmique puissante, de constants changements de mesure, une âpreté des harmonies, un tranchant des timbres, un goût du dépouillement, une musique qui refuse les images, les arguments, les émotions romantiques et lui préfère une émotion immédiate, ce qui permet de trouver une nouvelle expressivité. Que cherche au même moment Schoenberg, père de la seconde école de Vienne, la première étant celle de Haydn, Mozart et Beethoven, une seconde école de Vienne qui met fin au système tonal qu'avaient si fortement imposé les compositeurs de l'âge classique. Post-wagnérien et admirateur inconditionnel de Wagner et de Brahms, dans Verklärt Nacht, La nuit transfigurée, et les gigantesques Gurulieder, comme dans Erwartung, Attente de 1909, et Die glückliche Hand, La main heureuse de 1913, Schoenberg cherche alors une nouvelle voie pour composer sans système tonal, contrepoint, harmonie, mélodie et rythme, puisque suivant Debussy, il fallait trouver la formule qu'exige notre époque, celle qu'appellent les progrès, les audaces et les victoires modernes. Le siècle des aéroplanes a droit à sa musique. La musique moderne sera donc pour Schoenberg la composition sérielle ou Ryan Composition qui organise la composition autour d'une série de sons de valeurs égales, numérotés, énoncés dans l'ordre et jamais répétés. La série, qui quand elle est de 12 sons est dite dodécaphonique, et après avoir été exposée, travaillée en mouvement inverse, en miroir, transposée par fragments sous forme d'agrégation. Les principes de composition nés de ce nouveau système d'écriture appelé série et dodécaphonisme sériel qui engendre une nouvelle conception du thème et de l'harmonie, des lignes musicales et des relations entre les intervalles sont expliqués par Schoenberg dans son traité d'harmonie publié en 1911. Ils sont mis en œuvre dans sa composition expressionniste Le Pierrot Lunaire, composée en 1912 pour laquelle Schoenberg invente un parler chanté vulgaire, emprunté au cabaret berlinois, le Sprechgesang, où l'on prend toutes les notes par en dessous et où l'on articule le texte comme si on le déclamait. Rubine, blutige Tropfen alter Ruhmes schlummern in den Todesscheiben drunten in den Grabgewölben. Nachts mit seinen Zechkumpanen steigt Piero hinab zu rauben. Rote, fürstliche Rubine, blutige Tropfen alter Ruhmes. Strömen sich die Haare, bleiche Vorrichte band sie am Platte. Durch die Finsternis, die Augen stieren aus den Todesscheiben, rote fürstliche Rubine. Disciple de Schoenberg, Alban Berg crée en 1910 une association de littérature et de musique pour l'art et la culture qui favorise la diffusion de la musique contemporaine, dont celle de Schoenberg et Webern, l'autre disciple du maître de sa composition sérielle. La musique de Berg est atonale, sérielle, expressionniste, dodécaphonique, mais aussi romantique et moderniste. Son opéra atonal Wojtek bouleverse les usages de la scène lyrique. Ce chef-d'œuvre inspiré de la pièce de Georges Büchner installe l'opéra moderne au répertoire, tout comme sa dernière œuvre Lulu, premier opéra dodécaphonique de l'histoire de la musique, ou son concerto pour violon à la mémoire d'un ange, la fille d'Alma Mahler et de l'architecte moderniste Walter Gropius de 1935, feront oublier définitivement les modes d'écriture romantique. Thank you.
La musique du troisième disciple de Schoenberg est elle aussi atonale, sérielle, dodécaphoniste, mais elle se concentre dans de toutes petites formes et des pièces très courtes puisque l'intégralité de son œuvre tient sur trois CD. Dès 1909 et ses 5 leaders opus 3, Webern abandonne le système tonal pour créer dans un style expressionniste de courtes pièces minimalistes atonales et dodécaphoniques, de toutes petites formes qui rappellent les haïkus japonais dans lesquels le son devient primordial au détriment de la note. Dans ses compositions ciselées, où chaque détail, chaque son est un monde en soi, Webern rationalise le travail sur les hauteurs, les durées, les lignes mélodiques exploitées en canon dans la symphonie opus 21, en fugue dans le quatuor opus 28, trames serrées de séries tissées dans les variations pour orchestre opus 30 et la deuxième cantate opus 31. Webern s'applique également à exploiter toutes les ressources de la Klangfarben mélodie ou mélodie de timbre qui confie à différents instruments l'énoncé de chaque son d'une mélodie ou d'une série, ce qui contribue encore à faire de chaque son entendu un monde onirique. Webern cherche aussi à faire résonner les silences qui séparent chaque son et qui deviennent dès 1910 un paramètre essentiel de ses compositions. Le soir du 15 septembre 1945, Webern, oubliant le couvre-feu, sort sur sa terrasse fumer un cigare. Il est tué par une sentinelle américaine qui met fin ainsi à l'œuvre radicale et révolutionnaire d'un compositeur né dans la Vienne des valses de Strauss, qui sut ouvrir à la musique les portes du monde moderne, construit à l'aube de la Première Guerre mondiale, après laquelle on ne pourrait plus jamais composer comme avant. En ce début de l'ère moderne, le système tonal, la forme, la mélodie et le thème, le travail du rythme et des nuances, tout est remis en cause. Les règles en usage depuis des siècles sont abolies. La musique n'est plus ni narrative ni expressive. Elle est, à l'image de la société moderne, volontairement agressive, violente et plus soucieuse d'expérimentation que de création, de pensées nouvelles que d'accomplissement. L'ardeur révolutionnaire et la soif de renouveau sont portées par des compositeurs qui souhaitent bâtir un monde nouveau et faire oreille neuve, comme le suggérait Edgar Varèse, sur lequel nous reviendrons dans le prochain numéro, à nouveau consacré aux révolutions musicales de la première moitié du XXe siècle, tant elles sont nombreuses. Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver son texte sur le site de RCF Méditerranée. Bonne semaine sur RCF et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales dans Contrepoint. Et nous nous quittons sur un arrangement de la valse de l'Empereur de Strauss, par Arnold Schoenberg, qui montre ainsi que bien que révolutionnaire, ce Viennois savait aussi bien écrire à la manière des anciens qu'à celle des bonernes.
Thank you.